Programme Escompte, c'est une conférence qui réunit 400 personnes, que des professionnels du recrutement et de la marque employeur pour échanger sur le recrutement de la marque employeur. On a proposé aux participants une immersion dans le recrutement du 21e siècle. C'est aujourd'hui un événement qui devient incontournable et qui concerne un petit peu toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, il est devenu le journaliste geek que vous connaissez, qui est super actif sur Twitter et pour qui son smartphone est une extension de son bras. Et aujourd'hui, je me suis dit, recrutement mobilier social, vous ne pouvez avoir que David Abiker pour commencer la journée. David, je t'invite à nous rejoindre. Vous êtes ma seconde famille, vous êtes RH, vous êtes réseaux sociaux, c'est mon ADN, quoi. Ça se passe autant offline, physiquement évidemment, qu'online, sur Twitter, sur les autres médias sociaux. Donc c'est vraiment une expérience globale que l'on offre aux participants. L'alliance du digital et du physique, c'est vraiment ce qui fait les vraies rencontres qui mènent au recrutement aujourd'hui. Le programme était vraiment à la carte. On avait sur 4 niveaux, 4 espaces, avec dans chaque espace des formats vraiment innovants, des formats différents, des challenges, des awards à la fin de la journée, des case studies, des débats. L'idée, c'est de faire son programme à la carte et d'essayer de se faire sa propre expérience. J'ai adoré le système d'exercice pratique sur le sourcing. C'est l'occasion de tester des opérateurs booléens et c'était sympa. On leur demandait de chercher des milliers de CV d'ingénieurs Java J2E en format Word ou PDF. J'ai vu que RMS Conf lancer un challenge justement sur Sing par rapport à ce qu'on avait appris en formation. Je pensais pas arriver en finale et je pensais pas gagner non plus. C'est un indispensable par la présence de tous les acteurs qui sont ici, donc tous les intervenants, de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer des gens qui sont plutôt novateurs en fait en recrutement. Il y a pas mal de gens qui cliquent, donc si je vois des têtes baissées, c'est normal. On va avoir un challenge startup, puisqu'on a une dizaine de startups, et 9 exactement, qui vont s'affronter pendant une journée pour justement désigner la meilleure startup dans le recrutement. On a eu le plaisir effectivement de remporter les deux trophées, ce qui est une grande surprise pour nous. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, alors à l'année prochaine, parce qu'on en vient. Il y a un mot que je trouve intéressant parce que ça m'est vraiment revenu justement dans la journée plusieurs fois, c'est le mot écho. C'est que je pense que même si chaque participant a eu une expérience unique, s'il n'a pas pu voir tous les contenus qu'il aurait voulu voir parce qu'à un moment M, il y avait 3 contenus différents et qu'il aurait bien voulu voir les 3, je pense que dans la journée, il s'y est retrouvé et qu'à un moment donné ou à un autre, ce qu'il voulait évoquer, il a pu l'évoquer dans un espace ou un autre. C'est beaucoup plus riche en fait que les premières éditions et celle-là, je la trouve particulièrement réussie. RMS Conf 2013 est terminée. Mais RMS Conf 2014 commence maintenant.